Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à la Ford Focus WRC 2007, la deuxième voiture à avoir fait son apparition le 7 mai dernier dans Dirt Rally 2.0. On est parti en Suède, on vous avait promis une deuxième vidéo sur ce rallye qui est arrivé très récemment. Et bien on se dit pourquoi pas faire d'une paire de couilles, comme diraient chez nous les gens évolués. Et on va du coup partir avec la Ford Focus WRC 2007 sur une section assez intéressante de neige. Et on espère que ça vous plaira. En tout cas moi j'ai hâte de découvrir cette voiture. Départ droite 6, 50 mètres, gauche 3 ferme. Bonne chance. Allez, on lâche les rênes. Ouais, enfin, on peut lâcher les chevaux comme d'habitude, mais vu les circonstances, je trouve que les rênes, ça va un peu mieux avec le cadre. Alors tout de suite, je voudrais m'excuser auprès de vous, amis abonnés, viewers. Si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, allez-y. Pour simplement la décoration de cette Ford Focus, qui est tout simplement dangerous. Comment vous expliquer? Les 4 livrées qui sont d'origine dans le jeu sont plus moches les unes que les autres. Donc j'ai opté pour un modèle avec quelques sponsors, mais qui ne m'a vraiment pas convaincu. J'ose espérer que rapidement l'équipe de Race Department et sa communauté vont nous fournir de belles livrées comme à l'époque, hein, que ce soit Grenoble, Mirvonen, Duval, bref, tout ce qu'a pu arborer comme couleur cette Ford Focus WRC. En tout cas, ce que je sais, c'est que à l'heure actuelle, il n'y a absolument rien sur le site. Peut-être que d'ici la publication de cette vidéo, il y aura quelques décorations. Alors, je n'ai pas précisé, mais la voiture est également disponible à l'achat unitaire à 1,99€, tout comme la Subaru que l'on a vue plus tôt. Et ces deux voitures font donc partie du Season Pass. Voilà, ceci étant bien expliqué, vous avez toutes les informations dans la description et vous pourrez aller voir, d'ailleurs je vous mets une petite un petit insert, une petite fiche pour aller voir la vidéo de la Subaru sortie plus tôt dans la journée. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors en parlant de Focus, j'ai pensé à un certain François Duval que vous connaissez peut-être, hein, si vous suivez, vous avez suivi le rallye WRX. Le garçon sera au Rallycross à Spa-Francorchamps, championnat du monde WRX. Et moi aussi, si vous passez par Spa-Francorchamps pour la première fois pour voir une manche de Rallycross de WRX, ben, j'y serai dimanche. J'ai été invité, j'ai eu le plaisir d'être invité par le circuit. Donc merci beaucoup à Spa d'avoir joué le jeu. Donc si vous me croisez dimanche, on se retrouvera là-bas. Si pas, je vous rassure, je vous fais un petit vlog des familles maintenant que l'équipement est un peu plus à jour. J'attends mon nouveau smartphone qui me permettra de faire de bien plus belles prises de vue, plus propres en termes de qualité. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez au cœur de l'événement. Du moins, je vais essayer lors du vlog qui sera publié peu après le WRX. D'ailleurs, si vous voulez toutes les infos, n'hésitez pas à me follow sur Twitter et Insta. Je vous posterai pas mal de petites images et petites intrigues tout au long du week-end, pour voir un peu où je suis, essayer de me choper si vous y allez vous aussi. Voilà, le message d'utilité peut-être pas publique mais d'utilité abonnée est passé. On va revenir un petit peu sur le sujet, hein, parce qu'on a une spéciale qui est un peu plus longue, c'est pour ça que je me permets de digresser, même si c'est contre l'avis de ma nutritionniste. On va se retrouver à bord d'une Focus particulièrement bien équilibrée à l'image de la C4 WRC. On reprend ici les mêmes bases. Alors c'était un peu plus ancré du côté de la Subaru Impreza, qui était beaucoup plus clouée au sol, beaucoup plus adhérente au tarmac. Alors je vous rassure, j'ai essayé la Subaru sur la neige. Je ne vous donne pas un comparatif d'une spéciale cassante du côté de l'Argentine avec une spéciale sur la neige ici, ce serait un petit peu idiot. Mais je trouve que là où la C4 WRC avait montré une certaine agilité et légèreté, on retrouve ici également cette chose du côté de la Focus. Pourquoi? Parce que les voitures ont tout simplement un comportement identique. Voilà, donc que ce soit l'une ou l'autre, si vous devez en acheter une, choisissez la C4 pour les livrer parce qu'elles sont plus sympas. Mais si vraiment vous avez un petit faible pour Ford, que vous preniez celle-ci ou l'autre, si le budget ne vous permet pas de prendre les deux, vous ne manquerez rien. Les comportements sont totalement identiques dans les conditions similaires de piste. Donc, voiture très fun, très bien équilibrée, très légère comme je le disais, bien puissante comme il faut pour s'en sortir. On peut la mettre bien en travers. Je m'amuse comme un petit fou à contrebraquer avec
mon TSXW Racer, ça fait tellement bien le taf. Mais bon, effectivement, le force feedback sur la neige est un peu plus délicat, un peu plus agréable, comme celui du Monte Carlo. Mais on reste quand même sur quelque chose d'extrêmement simple. Donc on ose espérer qu'après la sortie de ce DLC 1, hein, cette première partie du Season Pass, cette première saison, il y ait sincèrement du taf effectué sur la possibilité de parler à Trustmaster, et je vois que d'autres aussi ont ces soucis, je pense aux utilisateurs de Direct Drive et de Logitech aussi, pour résoudre cette sensation de force feedback beaucoup beaucoup trop linéaire et beaucoup trop simpliste pour un jeu comme Dirt Rally 2.0. Allez. On va vous laisser évidemment avec, comme d'habitude, les images de l'extérieur. Je vais vous laisser aussi profiter un petit peu du son de cette Ford Focus. Avec la figure synchronisée qui va bien. Six extra long, ouvre sur ciel et jump. 60 mètres sur boss. Attention. Allez, les pneus tendres qui tiennent peut-être pas la distance là, sur ce coup-là. Je suis en train de perdre beaucoup de grip depuis 1 km. La voiture est beaucoup plus délicate. Allez, ça vous a permis d'avoir quelques sons de cette Ford Focus. On va arriver dans les derniers mètres de cette section. Franchement, très très fun, une fois de plus. Alors, s'il faut choisir une des deux, préférence tout de même pour la Subaru, parce qu'elle apporte une sensation supplémentaire. Là où la Focus reprend beaucoup les paramètres de la C4. Donc sincèrement, parmi les 4 voitures que l'on a pour l'instant, ma préférée reste malgré tout la Skoda Fabia WRC 2005. Voilà, on va franchir la ligne d'arrivée et on va en terminer avec cette section. C'était très 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 sympa à piloter, je me suis bien amusé. J'avais testé la Subaru en off sur cette même section pour vous faire un petit comparatif. Elle tient mieux la route, mais la Focus est quand même un peu plus imposante et c'est différent. Allez, merci à toutes et à tous, rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quelle que soit votre simu favorite. Rendez-vous dans la description pour toutes les infos et rendez-vous très vite pour peut-être vivre d'autres choses sur ce Dirt Rally 2.0 avec l'Allemagne qui arrive très bientôt. Salut !